Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya Thank you.
Jaya 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 Mahadeva. Jaya 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 Mahadeva. Shiva Shankar Adi Anant. Shiva Shankar Adi Anant. Jaya 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 Mahadeva. Namaskaram. Namaskaram à tous. Eh bien, les chiffres dans le monde ne disent vraiment rien de bon. Le pays le plus touché au monde est maintenant devenu les États-Unis, avec plus d'un quart de million de cas confirmés. Heureusement, je dirais, c'est assez localisé dans quelques États, plus que dans le reste du pays, ce qui pourrait donner une chance à la nation de contrôler cette situation. Ce n'est pas réparti dans les 50 États. C'est le moment de mettre un gros coup de frein. L'Italie a un peu ralenti. L'Espagne est toujours à pleine vitesse. La Grande-Bretagne prend de la vitesse. En Inde aussi, il y a un pic. Les nombres sont encore faibles au regard de la population. 77 morts. 77 vies ne sont pas rien. Mais à un moment comme celui-ci, on voit ça comme une chance qu'il n'y en ait que 77. Parce que, avec une nation aussi densément peuplée, ça pourrait flamber. Mais je crois qu'on a commencé à freiner bien à l'avance. Maintenir les choses à ce niveau est important. Parce qu'une fois que ces choses accélèrent, ça va devenir incontrôlable. C'est arrivé une fois. Shankaran Pillai vivait dans le Tennessee. Et il part en voyage vers le nord. Et il roule sur la route 89. En direction du nord. Un policier l'arrête et lui dit, « Vous êtes clairement en excès de vitesse, plus de 25 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. » Il était à 90. Il dit, non, je ne suis pas en excès de vitesse, je viens juste de voir le panneau. C'était marqué 89, je suis juste à 90. Alors le policier lui dit, heureusement que je vous ai arrêté ici, parce que dans 2 kilomètres, vous seriez entré sur la route 301. Il est très important qu'on l'arrête tant que ça n'a pas encore pris trop de vitesse et d'élan. En Inde, on a appuyé tôt sur les freins. Les résultats sont là, à part quelques choses irresponsables qui ont eu lieu ici et là. En grande partie, il y a une réponse phénoménale du peuple indien. Nous devons féliciter chacun d'entre eux. Eh bien, ceux d'entre vous qui sont au centre de yoga, ou ceux d'entre vous qui ont l'espace nécessaire avec votre propre jardin ou autre,
Ceux qui sont au centre de yoga, à la fois ici et aux États-Unis, ont de la chance, parce qu'il y a énormément d'espace. Mais si vous êtes coincé dans un deux pièces, à quatre, et que vous ne pouvez pas sortir, ça pourrait être éprouvant. Divers genres de problèmes apparaissent. Vous savez, même si les gens sont très gentils, quand il n'y a pas d'espace et qu'on commence à se marcher sur les pieds, ça peut devenir un peu... Les gens pensaient, le travail est un problème, mais maintenant ils réalisent tous, le travail est une chose super. Le repos est un problème, la maison est un problème. Donc, ce n'est pas pour se moquer des gens, mais avec toutes ces difficultés, en grande partie, la majeure partie de la population s'est comportée de façon extrêmement responsable et avec un sens du but à atteindre. Et bien sûr, aujourd'hui, ils allument tous une lampe pour montrer qu'ils sont solidaires de la nation, pour gérer ces temps difficiles. Eh bien, au siècle dernier, au moins, ou peut-être jamais auparavant, à vrai dire, au niveau mondial, jamais auparavant, nous n'avons fait face à une telle situation. Des pandémies ou des épidémies ont eu lieu dans des régions données et ont décimé des populations. Grâce aux voyages modernes, aujourd'hui, tout ce qui a lieu n'importe où arrive dans le monde entier. Donc à cause de ça, c'est mondialement actuellement. Quasiment les deux tiers du monde sont arrêtés. Les gens essaient de voir les avantages que ça amène. À coup sûr, il y en a. On peut utiliser cela pour son propre bien-être. Ils disent que les autres créatures sont très heureuses. Les gens postent des images de baleines et de dauphins. Et bien sûr, vous avez vu le paon et ainsi de suite. Beaucoup, beaucoup de choses. Tout cela est vrai, mais cela devrait aussi avoir lieu quand on est à l'extérieur. C'est ainsi qu'on devrait être à l'extérieur, d'où ? Pas à piétiner la planète. Eh bien, ce chiffre de plus de 65 000 morts ne dit pas tout. Il prévoit, certaines estimations aux États-Unis disent que dans les deux prochaines semaines, 100 000 à 200 000 personnes pourraient mourir. Donc, les chiffres que vous voyez actuellement ne vous donnent pas vraiment une vue d'ensemble de ce que c'est. Tout dépend du niveau de responsabilité avec lequel chacun d'entre nous se comporte. Un peu de désinvolture va nous coûter extrêmement cher. Dans des moments comme celui-ci, on devrait utiliser les statistiques de la façon dont un homme ivre, un homme très ivre, utilise un lampadaire. Pas pour l'illumination, juste pour s'aider. Exactement pareil. Les statistiques ne sont pas tout. Elles nous donnent une petite idée sur la direction que ça prend, mais elles ne nous disent pas tout. Si on a identifié un quart de million de gens dans un pays, il peut y en avoir 2 millions de plus qui sont déjà infectés et qui vont arriver. Eh bien, ils font des calculs, tous ces calculs peuvent se tromper. Tout dépend du niveau de responsabilité avec lequel les citoyens dans ce monde se comportent, de ce qu'ils vont faire dans les quelques semaines à venir. Dans les 3 à 4 prochaines semaines, en tant que génération, ce que l'on fait sur cette planète va déterminer quel sera le coût de cette pandémie, à quel point il sera lourd et violent, ou à quel point il sera léger.
ce sera déterminé par ce que font les êtres humains ces 3 à 4 prochaines semaines. Donc, nous voilà, le 5 avril. Aujourd'hui, l'Inde a appelé à un instant de solidarité. Peut-être que certains d'entre vous n'appellent pas 9 minutes un instant. Dans la vie d'une nation, 9 minutes sont un instant. Donc, les gens essaient d'y voir toutes sortes de significations. La chose la plus importante, c'est de comprendre que peu importe que l'on ait applaudi ou que l'on ait pointé nos doigts vers le ciel, on a fait ceci, on a fait cela, ce n'est pas le sujet. C'est juste que la nation s'est rassemblée pour faire quelque chose, ce qui a une très grande valeur. Il faut que je vous raconte cette histoire, c'est l'une des histoires préférées de Mark Twain. Ça s'est passé il y a un peu plus de 150 ans, quand personne n'avait même imaginé qu'un jour, les gens pourraient vouloir aller sur la Lune. Donc, ils avaient le sentiment qu'il y a des gens sur la Lune. Et bien sûr, vous voulez leur parler, vous savez, parce que on ne parle plus à nos voisins, alors au moins les gens de la Lune, on veut leur parler. Donc ils ont tous élaboré un plan. Toute la planète s'est rassemblée et ils ont décidé ceci. Chacun d'entre nous, à 9h du soir, on va sortir, et c'est un jour de pleine lune, d'une seule voix, nous allons tous dire qui ? On veut leur demander « Qui êtes-vous ? » Mais ce sera trop brouillé, il faut un conducteur pour que ça passe bien. Donc on va juste dire un mot « Qui ?» Et quand on va tous crier à plein poumon, à part ceux qui ont le corona qu'on va dispenser, parce qu'ils n'ont pas de puissance au niveau des poumons. Si nous crions tous à plein poumon, ils vont l'entendre, bien sûr. Et voyons voir ce qu'ils vont dire. Donc, 9h du soir, un jour de pleine lune, dans le monde entier, tout le monde sort de chez soi. Tandis que l'heure approche, j'ai pensé, vous savez, qui suis-je? Je ne suis qu'une petite personne et ma voix n'est même pas forte. Elle est là, elle a une grosse voix, il est là, il a une très grosse voix. Ils sont tous là, des gens super avec de grosses voix. Moi, même avec un micro, elle ne porte pas très loin. Donc, si je ne dis pas qui, quelle importance? Ils sont tous là, des personnes si importantes, toutes ces personnes merveilleuses sont là. Mais c'est un moment extraordinaire. Toute l'humanité qui prononce un mot à l'unisson. Donc, je veux faire l'expérience de cet instant. Donc, j'ai décidé. Je n'ai pas besoin de le dire, ils vont tous le dire, des personnes très très importantes sont là, moi, qui suis-je? Je ne suis rien. Cet instant est arrivé, et c'est resté un instant de silence sur toute la planète. Parce que c'est le problème de la plupart des êtres humains. Quand ils doivent faire quelque chose, quand ils doivent contribuer, ils vont rétrécir et devenir, se recroqueviller et devenir de si petits êtres humains. Qui suis-je? Je ne suis rien. Quand ils doivent obtenir quelque chose, ils vont devenir très grands. Donc ce soir, ne jouez pas ce tour au pays. Après tout, qui suis-je? Laissez-moi voir, tout le monde va allumer la lampe, laissez-moi voir, vous allez voir du noir. C'est vous qui devez le faire, ne vous souciez pas des autres. Vous devez le faire. Les autres, on verra. Ne vous souciez pas des autres, vous devez le faire. Si vous avez un peu d'influence sur quelques personnes,
vous devez vous assurer qu'eux aussi vont le faire. Mais si votre influence est telle que si vous dites quelque chose, personne ne va le faire, alors ne dites rien. Donc, aujourd'hui à 9h, faisons-en un événement spectaculaire. Oubliez le reste, toute la nation, qui allume une lampe. C'est fantastique. Le pays sera magnifique, vu d'un satellite. S'il vous plaît, sortez et allumez une lampe. Si vous ne pouvez pas sortir, vous n'avez pas de balcon, vous n'avez pas de jardin, vous n'avez rien, allumez-la dans votre maison. Mais allumez une lampe, ça a beaucoup d'autres avantages, on peut en parler plus tard. Question ? Sadhguru, cette question est de Karunesh. Namaskaram, Sadhguru. Vous avez parlé dans tellement d'institutions, d'entreprises et de conférences prestigieuses et mondialement connues. Pourtant, il y a un segment de la presse à sensation qui est constamment contre vous et qui vous accuse des choses les plus insensées et les plus infondées. Pourquoi attirez-vous une critique aussi incendiaire, ce qui n'est le cas d'aucun autre leader spirituel dans le pays ? Voyez, regardez comment je suis. C'est pour ça. Eh bien, voyez, c'est la saison des mangues. L'arbre est plein de fruits. C'est la saison des mangues. Il n'y a que cet arbre plein de fruits qui attire le maximum de pierres, de vers, d'insectes, c'est tout. Si vous êtes un arbre épineux, sans fruits, qui va vous jeter une pierre? Personne ne va vous en jeter une. Personne ne veut gâcher une pierre pour vous. Si vous êtes plein de fruits, sans cesse, ils vont vous jeter des pierres. Donc c'est un indicateur, c'est un baromètre, c'est un thermomètre qui montre que vous avez des fruits. C'est pour ça. J'utilise le mot thermomètre intentionnellement, d'accord? En ce moment, c'est la chose la plus précieuse. Tout le monde demande, où est le thermomètre? Pas assez de thermomètres. Donc, ces gens nous ont pris pour cible ces 27 dernières années, uniquement des locaux, nulle part ailleurs, uniquement des choses locales. Il faut que je vous dise cela, probablement que beaucoup d'entre vous ne savez pas tout ça. Quelle est la nature de ces attaques à répétition? On est en 1995-1994, on a aménagé ici, environ 65-70 d'entre nous. Un très... comment dire... un groupe de gens très enflammés et déterminés. Et rien, il y avait juste une hutte. Juste une hutte dans laquelle nous vivions tous, une longue hutte. Seules les femmes ont des toilettes, les hommes vont dans la forêt. À cette époque, certaines personnes sont assises dans les montagnes et nous observent aux jumelles. Eh bien, je suis... vous savez, c'est mon problème. Si simplement je regarde comme ça, je vois tout ce qui m'entoure. Je ne rate rien. Ça aussi, ça crée beaucoup d'ennuis. Parce que si vous êtes aveugle, les gens vont être compatissants. Si vous pouvez voir, ils vous envient. Donc j'ai vu des jumelles flasher. Alors j'ai demandé, à qui sont ces jumelles qui flashent ? Dans les montagnes, elles sont de toute évidence dirigées vers nous. Donc j'ai envoyé nos volontaires. Qui est-ce? Il doit y avoir quelqu'un. Ok, il y avait des jeeps garés là, trouvés. Donc, on a essayé de leur parler, ils ne voulaient pas nous parler, nous dire qui ils sont, mais ils sont partis. Répandre toutes sortes de choses en ville, ils ont dit... on les a vus aux jumelles, ils sont fous, ils doivent se droguer, ils doivent faire ceci, ils doivent faire cela. Le problème, c'était que les gens braconnaient librement dans la forêt.
Après être arrivé, on a mis fin à cela. C'est devenu un gros problème. Donc ce groupe de gens bien décidés, qui avaient leurs passe-temps et leurs petites affaires basées sur les produits de la forêt, ont commencé à vraiment nous en vouloir. Ils ont engagé des médias. Pas les médias traditionnels. Il y a un autre genre de médias qui ne marche pas grâce à la publicité ou aux revenus qu'ils tirent de la vente de leurs journaux, parce que personne ne les achète, même si vous les donnez gratuitement. Les gens ne vont pas les utiliser, on ne peut même pas les utiliser pour enrouler des pakodis ou des vadas ou autre chose, parce que c'est trop plein d'ordures pour qui que ce soit. Bien sûr, ça ne peut pas faire office de papier toilette parce que c'est déjà souillé. Et ça continue. Donc, vous savez, il y a une voie de chemin de fer entre Sakleshpur et Mangalore. Un tronçon de 36 km, une voie avec un écartement d'un mètre, maintenant je pense qu'ils sont passés à une voie large. Sur ces 36 km, il y a plus de 100 tunnels et 300 ponts. Donc j'avais marché le long de cette voie un certain nombre de fois, moi-même. Donc j'avais parlé à nos volontaires ici, et leur avait dit, on devrait tous y aller une fois. Donc, à cette époque, il n'y a pas encore de temple. Aucune obligation pour nous, donc on ferme notre ashram. Fermer l'ashram veut dire quoi? Il n'y avait aucune porte à fermer, juste une hutte. Mais on a noué une corde. Il y avait des bâtiments en cours de construction, le bâtiment triangulaire était en cours de fabrication à l'époque, donc on a décidé qu'on allait partir pour une marche de 12 à 13 jours. Donc on est tous partis en laissant l'ashram. Vous ne pouvez pas imaginer cette époque, comparée à ce qu'on est devenu. On pouvait juste fermer l'ashram et partir. Donc on est partis marcher. On devait revenir au bout de 12 ou 13 jours. Le 9e ou 10e jour, les gens ont commencé à nous appeler parce que la presse parlait beaucoup de nous. Pourquoi? Parce qu'on a tué quelqu'un, on l'a enterré et on est tous partis. Eh bien, qui est-ce qu'on avait tué? On ne le savait pas. Ensuite, on est revenu. Il y avait des rumeurs dans tous les sens. Oh, ils ont tué quelqu'un et ils l'ont enterré dans la forêt, ils sont partis. Bien sûr, ces torchons impriment tout ça. Ensuite, quand on est revenu, le jour où on est revenu, ou juste la veille, le département de la forêt s'est mis à chercher l'odeur qui se dégageait. Ils ont creusé l'endroit et ils ont découvert que quelqu'un avait tué un python, un grand python, qu'ils l'avaient dépecé, pris la peau et qu'ils avaient enterré le corps dans la forêt. Et ça sent. Donc ces gens ont inventé une histoire et ont dit qu'on avait tué quelqu'un et qu'on était parti. Donc à partir de là, ça a commencé. Ils continuent encore avec les mêmes histoires ou des histoires similaires. Nous, on est allés de l'avant et on a beaucoup avancé, mais ces gens en sont malheureusement toujours au même point. Je veux qu'eux aussi aillent de l'avant. Mais, vous savez, trop profondément dans la bouse. Je vais vous raconter ça. Vous n'allez pas croire ce genre de choses. Le premier groupe de Brahmanchari est arrivé. J'ai dit à tous les Brahmanchari hommes, pendant 15 jours, vous devez aller aider dans une maison de retraite. Toutes les femmes brahmancharini, je leur ai dit, vous devez aller aider dans un orphelinat. Donc on a trouvé un orphelinat à Coimbatore qui était dirigé par une vieille dame. J'y avais séjourné auparavant en arrivant à Coimbatore, un endroit très rudimentaire. Elles sont allées s'installer là-bas. La nourriture était très moyenne. Trois de nos brahmancharini, trois ou quatre ou cinq d'entre elles, je crois, la nourriture était très moyenne et elles sont toutes tombées malades. Elles avaient des vomissements et de la diarrhée. Donc trois d'entre elles ont dû être admises dans une maison de repos du coin. Immédiatement, les mêmes médias écrivent. Alors ces gens du centre Isha Yoga, ces Brahmancharini, sont toutes venues se faire avorter dans une maison de repos.
C'est ce genre de personnes. Que faire avec eux? Ils vivent dans les ordures et vendent des ordures. Comme ça ne se vend pas bien, ils se sont aussi rendus compte que si une fois tous les 3 mois ils mettent ma photo en couverture, leur torchon se vend un peu. C'est leur gagne-pain. Quelle façon horrible de gagner sa vie. Je leur souhaite de trouver de meilleures façons de le faire. Donc ça n'a pas d'importance, parce que je me suis consciemment rendu comme ça. Vous pouvez soit m'aimer, soit me détester. Vous ne pouvez pas être entre les deux. Parce que je n'aime pas les gens qui sont entre deux. Mais malheureusement, ces gens ne vous détestent même pas. Ils essaient juste de gagner leur vie, grâce à vous. Une existence de parasite. Eh bien, au moins, en ces temps de virus, j'aurais espéré qu'ils réalisent, mais non. Maintenant, ils créent une controverse sur le virus aussi, en disant que le virus est parti du centre Isha Yoga. Voyez, certains d'entre vous étaient en colère quand j'ai utilisé le mot « Wuhan ». Mais maintenant, nos médias rapportent que le virus est parti du centre Isha Yoga. Pas les médias traditionnels. Les médias responsables ne font pas ce genre de choses. Mais ces torchons le font. Vous savez, des articles de 4 ou 5 pages, je suis en couverture de ces... Je ne sais pas pourquoi ce genre de journalisme a été qualifié de jaune, peut-être parce qu'il est merdique. Donc je suis en couverture de ces magazines, une fois de plus. Sadhguru, la prochaine question est de Jordan. Namaskaram, Sadhguru. Les centres d'appel pour fumeurs reçoivent plus d'appels de fumeurs de tabac qui essayent d'arrêter. Malgré les meilleures intentions du monde, il est physiquement très difficile d'arrêter à cause de l'addiction à la nicotine. Sadhguru, que conseillez-vous aux gens qui ont ces difficultés? Eh bien, ce n'est pas moi. Les experts médicaux disent que le virus, si vous l'attrapez, les fumeurs sont les premiers à mourir. Cela devrait vous soigner. Je n'essaye pas d'être cruel avec vous. Je ne suis pas quelqu'un qui fait la morale et vous dit que vous ne devriez pas fumer. Je ne vois même pas ça comme un problème moral, comme le font certains. C'est juste que faire quelque chose qui va à l'encontre de votre système est un manque de bon sens. Une autre chose, c'est que supposez que vous le faites parce que ça vous procure un certain plaisir. C'est OK, je vous laisse voir ça. Mais le plus gros problème pour moi, c'est que vous devenez compulsif vis-à-vis de choses simples de la vie. Ça, c'est un gros problème pour moi. Vous fumez, ce n'est pas un gros problème pour moi. Vous faites quelque chose de façon compulsive, ça c'est un gros problème. Parce que vous gaspillez l'avantage évolutif dont cet être humain dispose, le fait qu'il peut tout faire consciemment. Mais vous choisissez de faire quelque chose de façon compulsive. Ce que vous avez peut-être commencé parce que c'était tendance, ou parce que c'est un plaisir, un simple plaisir dans votre vie. Vous aimez le tabac, vous aimez fumer. Je ne m'y oppose pas. Tout ce que je dis, c'est n'abandonnez pas l'avantage évolutif parce que cette terre-mère et cette nature ont travaillé 1 million d'années pour vous amener à ce niveau de conscience et d'intelligence et à cette taille de cerveau. Quand les gens utilisent leur cerveau aujourd'hui pour trouver comment fabriquer une voiture qui ne fume pas, vous fumez encore? Qu'est-ce que c'est que ça? De temps en temps, vous vouliez fumer parce que ça vous fait plaisir. Je ne vais pas m'occuper de ça. Je ne vais pas entrer dans votre vie personnelle à ce point. Eh bien, ça n'a pas de sens, mais tout n'a pas besoin de faire sens. C'est OK.
Mais vous êtes compulsif. Ça, non, non. Parce que ces millions d'années d'évolution sont simplement gâchées avec vous. Ils partent en fumée. Littéralement. Maintenant, est-ce qu'il faut que j'arrête? Est-ce qu'il faut que j'arrête? Qu'y a-t-il à arrêter? Voyez, si de la fumée vous sortez des oreilles, vous devriez aller vous faire soigner. Quelque chose brûle à l'intérieur. Mais vous l'aspirez et vous la soufflez. Il n'y a rien à soigner, vous devez juste vous décider. Vous ne pouvez vous décider que si... Parce que vous avez vu ces pubs Marlboro... Parce que vous avez pensé que vous n'êtes un vrai homme que si vous fumez. Non, 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 je n'ai pas de préjugés, les femmes aussi peuvent fumer, bien sûr. Oh, qu'est-ce qui vous fait penser qu'il n'y a que les hommes qui peuvent fumer? Non, 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 vous pouvez aussi être stupide. Être stupide n'est pas seulement le privilège de l'homme, tout le monde a le droit. La seule chose, c'est que la stupidité prend de nombreuses formes et blesse différentes vies. Mais la forme la plus basique de stupidité, c'est que vous choisissiez de blesser cette vie alors que ça implique une douleur physique et bien d'autres choses. Malgré ça, vous choisissez de blesser celui-ci. Cela n'a pas lieu par choix. Vous avez peut-être commencé par choix, mais après un certain temps, c'est juste une grande compulsion. Vous, je veux arrêter, je veux arrêter. Ne faites pas ça. Si vous arrêtez de force, vous allez vous mettre à faire d'autres choses insensées. C'est arrivé une fois. Shankaran Pillai, un jour, était sur le point de quitter le bureau. Et sa collègue de bureau, une jeune femme, lui demande, « Est-ce que vous pouvez me déposer chez moi aujourd'hui ?» Il dit oui, comme un gentleman. Il part avec elle, lui ouvre la porte, tout. Ils sont en route. Quand un tronçon désert arrive, il s'arrête. Et tout d'un coup, il devient comme une pieuvre. C'est-à-dire qu'il a 8 membres. Il se jette sur elle. Elle le repousse et lui dit, « Espèce d'idiot, je suis monté dans votre voiture en pensant que vous étiez un type bien. Qu'est-ce qui vous prend ?» Il dit, « Pardon, pardon, j'ai arrêté de fumer. » Donc, ne faites pas ces choses de force. Si vous comprenez, si vous commencez à comprendre que l'on est en train de comprendre qu'un bus qui fume trop, ce n'est pas bon, une voiture qui fume trop, ce n'est pas bon, mais dans l'évolution d'une automobile, elles en sont encore au point où elles doivent encore fumer. Elles ne sont pas toutes devenues électriques. Dans l'évolution d'une automobile, la fumée passe encore. On travaille à en fabriquer une qui ne fume pas, mais la fumée passe encore parce que l'évolution de l'automobile n'en est pas encore arrivée au point où elle ne fume plus du tout. Mais dans son évolution, celui-ci ne fume quasiment plus depuis bien longtemps. Il rejette du dioxyde de carbone, c'est sa nature. Mais maintenant, vous voulez inspirer du monoxyde de carbone, ou peu importe ce que c'est. Eh bien, vous avez juste à voir que c'est stupide. Une fois que vous voyez qu'une chose est stupide, vous n'avez pas à l'arrêter, elle va disparaître. Pour le moment, vous vous sentez un peu... Vous pensez que c'est super intelligent de faire ça. En particulier quand vous aviez 14, 15 ans, quand vous fumiez, vous vous disiez que vous faisiez vraiment quelque chose de super. Donc, quel que soit votre âge maintenant, si vous comprenez que c'est une chose stupide que vous faites, vous n'avez pas à l'arrêter, elle va simplement s'évanouir parce que vous n'aimez pas être stupide, ça je le sais. Ne le soyez pas. À 9h, on allume. Pas une cigarette, hein? Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya
Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahāyā.